Dis-moi, est-ce que tu utilises des préservatifs? Non. Hey! Donc toi, tu fais ça directement, quoi, sans préservatif? Oui, ça, c'est intéressant, puisque... Micro-trottoir d'aujourd'hui, là, c'est pour les garçons ou les filles qui ont honte d'acheter les préservatifs. Ne bougez pas, je m'en vais poser des questions aux gens. On y va. Dis-moi, est-ce que tu utilises des préservatifs? Non. Pourquoi? Hey! Donc toi, tu fais ça directement, quoi, sans préservatif? Oui, ça, c'est intéressant, puisque avec préservatif, hein. Dis-moi, est-ce que tu achètes des préservatifs? Point d'interrogation. Moi, non. Je paye pas des préservatifs, mais c'est mon gars qui achète. Mais tu lui exiges des préservatifs, non? Oui, bien sûr. Ah, est-ce que tu utilises des préservatifs? Si oui, oui, comment tu fais pour acheter? Est-ce que tu as honte? Quand tu vas pour acheter, là, tu dis quoi? Quel est ton secret? Point d'interrogation. Moi, j'achète ça, mais je sors hors du quartier, quoi. Quand je sors, maintenant, je viens dans une boutique, et puis je dis, madame, je veux une couverture. Hey, alors, non, c'est, toi, tu es vilain. Est-ce qu'elle comprend couverture, là? Il dit couverture. Elle comprend. Il dit ça, c'est un bail de 200, 100 francs comme cela. Quand tu leur dis ça seulement, là, tu prends là, tu déposes. Et après, te donner. Non, c'est ça ton secret. Ouais. Est-ce que vous utilisez des préservatifs? Non. Pourquoi? Pourquoi on doit utiliser des préservatifs? Mais pourquoi vous n'utilisez pas préservatifs? Je suis une femme mariée. Ayemi. Mais dans ce cas-là, vous allez faire beaucoup d'enfants, hein? Non, pourquoi je vais faire beaucoup d'enfants? Parce qu'il y a des plannings familiales pour ça. Ça va. On n'est pas intelligent là. C'est comme ça toujours. Comment tu fais pour acheter des préservatifs? Est-ce que tu as honte d'acheter des préservatifs? Quel est ton secret? Point d'interrogation. Le plus simple en Afrique ici, c'est d'arriver à trouver que le boutiquier est le seul. Mais dans nos quartiers là, tu as fait ça comment? Venez. Tantier du quartier, puis la tantier du quartier, puis le voisin du quartier, puis le voisin du quartier. Et tous on dirait, c'est le jour où tu veux, là, même qu'ils sont là. Et quand toi, tu veux acheter toi-même, là, comment tu fais? Est-ce que tu as honte? Quel est ton secret? Quand tu arrives là, tu dis quoi? Point d'interrogation. Quand j'arrive, payer, bon. Peut-être je laisse tout le monde partir, peut-être. Donc, tu as honte d'acheter des préservatifs? Quelle misère, quelle souffrance. Bien sûr. Mais pourquoi? Ça m'aime un peu mal à l'aise. Et puis, c'est un peu... mal vu. Pour une fille d'aller acheter des préservatifs, c'est un peu mal. Pourtant, c'est important, comme tu as dit, ça te protège contre les maladies et puis les grossesses non désirées, tu vois. Et quand tu arrives à la pharmacie, comment tu fais pour vouloir acheter sans avoir honte? Pendant qu'on t'a posé la question comme ça, quoi. Tiens ton ordinateur là. Ferme-moi.